Tous ceux qui sont en train de dire dans le live, vive Doumbouya, c'est des ethnos. Vous êtes des ethnos. Tous ceux qui sont en train de dire dans le live, vive Doumbouya, vous êtes des ethnos. Vous n'avez jamais aimé Alpha Condé. Vous qui dites aujourd'hui là, partisans du RPJ, vous qui êtes dans les lives des gens là, vous qui mettez soi-disant que le retour de Koro, partagez-moi ce live. Je vais vous faire des révélations ici ce soir. Vous comprenez? Vous qui êtes là dans les lives des gens en train de mettre les commentaires, parce que pour vous, c'est Lou Dalain ou sa communauté, oui, c'est des dangers pour vous. Vous traitez les autres d'ethnos. Vous traitez les autres d'ethnos alors que vous êtes les pires ethnos. Vous n'avez jamais aimé Alpha Condé. Vous avez soutenu Alpha Condé pour une seule raison. Une seule raison. Parce qu'on dit que c'est un malinqué. Vous avez soutenu Alpha Condé pour ça. Je parle des gens qui sont dans le live ici. Ceux qui pensent que ils sont plus que tous les autres Guinéens. Vous qui êtes là, en train de me regarder. Vous n'avez pas soutenu Alpha Condé. Hein? Vous n'avez pas aimé Alpha Condé. Vous avez soutenu Alpha Condé parce qu'on dit que c'est un malinqué. Et aujourd'hui, comme Doumbouya c'est un malinqué, on apprend qu'il est en train de transformer la Guinée en empire mandingue. Vous les faux RPGistes, je vais vous appeler comme ça, faux RPGistes qui se réclament défenseurs d'Alpha Condé, je ne parle pas des blogueurs ici, je parle des simples Guinéens lambda qui sont dans les lives des gens, des haineux. Des haineux, simples citoyens lambda, des haineux qui sont assis dans les lives des gens. Au début, quand Doumbouya venait d'arriver, on est sorti, c'est vrai. On a acclamé le coup d'État. On a soutenu le coup d'État. On a dansé le coup d'État. Et pendant ce temps, vous qui pensez que voilà, Doumbouya va donner le pouvoir à Ila Sellou, vous étiez là tous les jours à l'insulter. Quand les nominations ont commencé, vous avez dit il va remettre le pouvoir au Fouta. C'est les Français qui le commandent. Il va donner le pouvoir au Fouta. Les Français ont dit de remettre le pouvoir à Sellou. Vous l'avez insulté. Vous avez demandé le retour d'Alpha Condé. Aujourd'hui, comme c'est en train de sortir petit à petit, le vrai visage du CNRD, comme vous avez compris, c'est une manicanisation qui est en train de se préparer. Là aussi, vous êtes en train de soutenir ce monsieur. Ce n'est pas Doumbouya que vous aimez, dit. Vous n'aimez pas Doumbouya, dit. C'est parce que tout simplement, vous êtes des ethnos, vous êtes des haineux. Vous ne voulez pas que d'autres ethnies arrivent au pouvoir en Guinée si ce n'est pas vous. On a tous vu aujourd'hui, Doumbouya est parti à la CAS. CAS, on sait que CAS, c'est un grand fief du RPG. Doumbouya a fait coup d'état à Alpha Condé, non? Doumbouya a humilié Alpha Condé, non? Doumbouya a pris Alpha Condé, il l'a mis dans le véhicule. L'a envoyé sur l'axe. Le garder pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois. Personne n'a vu Alpha Condé, non? Aujourd'hui, c'est ce même Doumbouya qui est parti sur la fièvre d'Alpha Condé. Madina Kass. Tout le monde est sorti pour l'applaudir. Tout le monde est sorti pour l'acclamer. Vous êtes en train d'oublier Alpha Condé. Parce que vous n'avez jamais aimé Alpha Condé. Vous n'avez jamais eu de l'amour pour Alpha Condé. Vous avez seulement soutenu Alpha Condé parce qu'on dit que c'est un malinqué. Donc, c'est ça le vrai visage de ces gens-là. Le problème,
Ce n'est pas un problème de parti. Pour eux aujourd'hui, si RPG vit, si RPG ne vit pas, ce n'est pas leur affaire. Et tout leur problème, vous les ethnos, tout votre problème, c'est qu'on dit que le pouvoir est dans la main des maléquins. Maintenant, c'est là qu'on va vous dire stop. Maintenant, Doumbouya est en train de préparer l'Empire Mandingue. Nous autres qui sommes là, on va vous barrer la route. On va vous dire, stop. Là où je suis en train de vous parler, vous avez vu, j'avais posté la vidéo de notre frère Benito, Massanta Benito. C'est des blogueurs konyankais. On se clash. Mais eux, ils ont vu la réalité aujourd'hui. Vous vous êtes servi de cette communauté konyanké. Vous vous êtes servi d'eux. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'ils n'ont... C'est-à-dire, vous n'allez jamais, jamais, jamais les aider à atteindre leur objectif. Jamais. Ils ont compris. Les blogueurs konyankais ont compris. Et là, c'est vrai, nous sommes des adversaires politiques. Nous sommes des adversaires politiques. Mais l'intérêt général de notre pays, c'est la Guinée. Je vais vous dire, là où moi, je suis pour la Guinée. Je suis militant, communicant de l'UFDG. Je sais que mon président est pour la Guinée. Il veut la réussite de la Guinée. Donc, je suis dans cette objectivité-là. Maintenant, on s'est réunis avec quelques influenceurs de combattre l'Empire Mandingue. Ce n'est pas un problème de Malinké. On n'a rien contre les Malinké. On n'a rien contre les Malinké. On va laisser Seloudalé tranquille. On va laisser Alpha Condé tranquille. On va se concentrer sur l'empire qui est en train d'être préparé pour ne pas que cet empire puisse naître dans notre pays, qu'on a dépassé ce stade. Vous êtes là, vous les ethnos. Vous les ethnos. Quand vous avez pensé que Doumbouya va donner le pouvoir à Selou, tous les jours, c'est les injures. Tous les jours, c'est les injures. Tous les jours, c'est les injures. Aujourd'hui, comme on dit qu'il va... C'est-à-dire qu'il veut rester au pouvoir, vous êtes en train de l'acclamer. Parce que vous préférez que lui reste au pouvoir, que tous les Guinéens souffrent. Tous les Guinéens souffrent dans l'ensemble. Vous, la seule raison qu'on dit que c'est un Malinké qui est au pouvoir... Vous les ethnos, c'est ce qui vous rend fiers. 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 Alors, on va vous dire, ce combat-là va être encore plus rude que face à Alpha Condé. Ça va être encore plus rude que face à Alpha Condé. Parce que Doumbouya est illégitime. On ne va pas être devant, on ne se presse pas. Mais ce qui est en train de se décimer, et moi personnellement, partagez le live dans les groupes. Merci mon frère Kanté. Je ne sais pas si tu es Kanté d'où, mais si tu es Kanté de Mandé, tu es un vrai Mandéka. Tu dis, c'est la vérité. La Guinée n'appartient pas à une ethnie. On nous appelle pour dire de soutenir la transition. C'est vrai. Qui nous a pas vu ici au début, moi, faire des vidéos pour dire on va soutenir la transition. Personne ne va faire échouer Doumbouya. Personne ne va faire échouer le colonel. Le colonel va faire la transition. Qui nous a pas vu ici? Qui peut dire le contraire?
personne, parce qu'on était là, les vidéos, ça existe. Maintenant, depuis que la prise du pouvoir du 5 septembre, pour élire les membres du CNT, d'abord les membres du CNT, ils ont fait 5 mois. Et on n'est pas soutenu par rapport à la durée de la transition, parce qu'il ne veut pas quitter. Parce qu'il est en campagne. Et les personnes qu'il est en train de conquérir actuellement, c'est les gens du RPG. Vous qui avez dit que vous aimez Alpha Condé, vous qui avez dit que Alpha Condé c'est votre papa, Alpha Condé c'est rentré sorti comme ça, parce qu'il sait que vous êtes que des haineux, des ethnos. Vous n'aimez que votre personne. Vous n'aimez pas les autres. Les autres, si vous les approchez, c'est pour les utiliser et les jeter. C'est pourquoi vous avez utilisé les Konyankés. Aujourd'hui, les Konyankés ont compris. Quand je vous parle des choses sur les réseaux sociaux, il ne faut même pas attendre une semaine, 2 semaines plus tard, la chose va être réelle. Je vous avais dit ici que le RPG était divisé. Le RPG maintenant est divisé. Les gens sont en train de partir dans les camps du CNRD. On nous appelle étant blogueurs influenceurs. Ce n'est pas des blogueurs qui m'ont contacté de moi. Voilà. Qu'on va soutenir la transition. On va soutenir la transition comment? Bon, tu peux venir dans ton pays. Tu peux venir ici. Oui. On va te faire... Tu vas faire l'audience avec le président. Tu vas te voir avec le président. Mais qu'est-ce qu'il faut? Tu as besoin de quoi? Tant. Qu'est-ce qu'il faut? Partout où on parle affaire d'argent, ça c'est la corruption. Partout où on parle affaire d'argent, ça devient la corruption. J'ai été clair, ces gens ils sont en train de me regarder. Ils vont regarder. Ils sont en train de me regarder. Je suis fier de dire que je préfère ma Guinée aujourd'hui que des privilèges, des petits privilèges, de vendre ma dignité par rapport à ça. Non, tu ne vends pas ta dignité, tu soutiens la transition, tu as été là, ça fait combien de temps, tu n'es pas chez toi. Non. Ce n'est pas ça la question d'être, de ne pas être chez toi. Là où je suis, je vis bien. Je suis tranquille avec ma conscience. Le plus important, c'est d'être tranquille avec ma conscience envers vous qui me regardez, vous qui me suivez, et envers, surtout d'abord envers mon créateur. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, d'abord, il faut d'abord te réfléchir. Ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est un bon rapport avec Dieu? C'est un bon rapport avec Allah? Là, tu peux le faire. Mais toute chose qui n'est pas en bon rapport avec Dieu, il ne faut pas le faire. Jamais de la vie. Donc, on nous appelle, tu peux rentrer, tant. Tu es suivi, les gens t'écoutent. On va soutenir transition, tant. Combien de dollars, là. Je ne suis pas dedans et je ne rentrerai pas dedans. Doumbouya est en train de faire campagne. Doumbouya est en train de faire campagne. Tous ceux qui peuvent faire la moindre des choses, pour pouvoir contribuer à un grain de sel, pour pouvoir asseoir son pouvoir, on les appelle. Il faut venir. Tant. Tu peux monter à Conakry, tu descends où tu veux. On part te loger dans les hôtels. On te donne l'argent. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, j'ai vécu la belle vie. J'ai dormi dans les grands hôtels en Europe. Des grands hôtels où la nuitée coûtait les 1500 euros. La nuitée coûtait les 1500 euros. Des standings, des hautes standings. Ouais. Ce n'est pas moi qui payais, mais la personne avec qui j'étais. Mont Blanc, oui, c'était une personne de haute standing.
Donc, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'accompagner la transition en court terme. Organiser les élections libres, transparentes, donner le pouvoir à celui qui le mérite. 30 000 dollars va me faire quoi, moi? 30 000 dollars, ça va me faire quoi? Ou 30 000 euros, ça va me faire quoi? Je vais trahir qui pour 30 000 dollars? Je dis, je prie, je monte, je descends. J'ai le chapelet tous les jours dans ma main. Après, je vais prendre 30 000 dollars, je vais trahir des gens. Je mange 30 000 dollars, je perds mon rapport, mon bon rapport avec Allah. Mon bon rapport avec Allah, je perds ça. Et je perds mon bon rapport avec tous les millions de Guinéens qui me font confiance. Jamais. Je ne vais pas perdre mon bon rapport avec Allah à cause de 30 000 dollars ou 20 000 dollars ou 15 000 dollars. Jamais de la vie. Donc, aujourd'hui, il faut que nous, on se dit que c'est la Guinée. On a dansé pour le coup d'État. On n'a pas dansé parce qu'on a envie de danser. On a dansé parce qu'on a espéré que notre pays va enfin sortir de l'ornière, va enfin se développer. On a dansé pour ça. Toute personne qui vous dira, c'est vous qui avez soutenu le coup d'État, c'est vous qui avez soutenu tatata, nanani, nanana. Il faut lui répondre, tu as soutenu parce que tu as espéré que ton pays va enfin sortir de l'ornière. Et là, les gars arrivent. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, je vous dis, si j'ai des choses, je ne veux pas mettre ça, parce que je suis en Afrique. J'ai toujours dit ça. J'ai la protection au Sénégal ici. J'ai demandé protection à l'État sénégalaise. Mais j'ai des choses. J'ai dit ça. J'ai des choses. Quand je vais vous mettre ça, on va venir me tuer. On va venir me tuer et où ils vont faire le truc pour dire « Ah, il faut l'estrader, on va l'envoyer à Conakry. » Mais moi, ça ne marchera pas. Si vous vous rappelez bien, au début du coup d'État ici, je donnais des infos réelles sur ce qui se passait. Si vous voyez, ça, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Donc, on est parti, tout, nanana, on parle tout. Maintenant, ceux qui le trompent, vous savez, la jeunesse guinéenne souffre. Beaucoup de jeunes souffrent à Conakry. Ou les jeunes qui ne connaissent pas la vie, qui n'ont pas vécu. Dès qu'on voit un jeune comme ça, qui n'a jamais vécu, on le voit, on dit, ah ben, on va te donner 10 000 dollars, on va te donner tant. Tu vas aller dans tel hôtel tant. Le jeune, il est excité, quoi. C'est ceux qui le trompent. Pour eux, ils peuvent tromper tous les jeunes. Pour eux, tous les jeunes, quoi, qu'on voit sur les réseaux sociaux, dès qu'on te voit sur les réseaux sociaux, tu es assis, peut-être qu'on nous voit sur les réseaux sociaux, je suis assis comme ça, il va dire, lui, il ne connaît rien, il n'a même pas vécu, il n'a jamais connu 5 000 dollars, il n'a jamais connu 10 000 dollars, dès qu'on va lui donner ça, là, lui, il va retourner sa veste. C'est ce qui le trompe, hein. C'est ce qui les trompe. Maintenant, si toi, tu as déjà vécu cela, tu as déjà vu les 10 000, 15 000, 5 000, 100 000 euros, 150 000, 200 000 euros touchés dans ta main, comptés, est-ce que 10 000, 5 000 va t'effrayer? Est-ce que quand on te parle de 15 000, 20 000, ça va t'effrayer? Ça ne peut pas t'effrayer. Donc, moi, je suis guinéen. Je ne suis pas Peul. Je ne suis pas Soussou, je ne suis pas Malinké, je ne suis pas Forestier, ni Diaka et autres. Je suis Guinéen tout court. Mon combat, c'est pour la Guinée. Mon combat, c'est pour faire avancer mon pays. Mon combat, c'est de voir mon pays aussi se développer, aller de l'avant, comme les autres pays. On est au Sénégal. Les Sénégalais, je suis en train de vous parler sur une connexion maintenant. Ils ont inséré une connexion 5G. 5G qui est en Amérique, c'est ce qui est au Sénégal maintenant. Wi-Fi, bientôt ils vont lancer sur les téléphones aussi. 5G, Wi-Fi, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. 5G, pendant que nous on est en retard, c'est des choses que les gens doivent avancer. Vous voyez,
Vous voyez ici en haut, hein? Hein? 5G, 5G, comme c'est en envers. Les Sénégalais maintenant, nous aussi on veut vivre facilement comme chez les Blancs. On veut vivre facilement comme chez les autres. Même les Blancs, chez les Blancs c'est petit, hein, c'est loin. Les Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres, nous on espère avoir cela. On espère avoir cela. Regarde-moi le salopard là, excusez-moi du terme. Qu'on prépare-toi à étudier à Malinké bientôt en Guinée. On va voir ça. On va voir ça. Je ne vais même pas t'écouter, c'est une provocation. On va voir ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, il faut qu'on se donne les mains. Ensemble, on ne regarde pas parti politique ni rien. Si tu es dans ton parti, tu peux être dans ton parti. Il faut qu'on fasse le combat ensemble. Tous les influenceurs qui veulent que Doumbouya part, qui veulent que Doumbouya quitte, il faut qu'on se donne les mains pour faire partie de Doumbouya. Pour que Doumbouya nous dise, transition c'est 6 mois, transition c'est 1 an, 6 mois, transition c'est 2 ans. Les militaires burkinabés, ils n'ont même pas fait encore la charte. Hein. Ils n'ont pas fait la charte. Ils ont fait coup d'état, ça fait 3 semaines. Militaires burkinabés, ils ont parlé de la durée de transition. Ils n'ont pas fait la charte. Ils ont dit qu'ils vont faire 1 an, 6 mois de transition. Militaires burkinabés, est-ce qu'il y a Magui là-bas? Et ils veulent faire Magui? Ceux qui ne veulent pas faire Magui, c'est eux qui sont en train de traîner. Il faut qu'on crée charte de 150 000 pages. On va créer groupe de CNT de pam, 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 pam. Militaire burkinabé, ceux qui ont fait coup d'état hier, ça fait 3 semaines. 3 semaines, ils ont dit qu'ils vont faire 1 an, 6 mois de transition. Parce qu'ils ne veulent pas faire de magouille. Ils vont organiser les élections et quitter. Maintenant, vous êtes en train de tout préparer. Tous les codes. Ils ont préparé l'affaire de Kouyaté. Ils voient que ça a échoué. Tant, ils passent à autre chose. Préparé l'affaire de PDG RDA. Ils voient que ça a échoué. Tant, préparé autre chose. Maintenant, c'est l'option de Conte qui est dans leur tête. L'option de Conte. Option de Conte. Feu général, ça a Conte. Vous savez, quand Conte est venu, eux, ils pensent qu'on est en 84, quoi. Eux, ils pensent qu'on est en 84. Eux, ils pensent qu'on est en 84. Quand Conte est venu, le CMRN. Quand Conte est venu, après la mort du feu Ahmed Sékou Touré, on sait tous qu'il est resté au pouvoir, non? Pendant 24 ans, gars. Maintenant, c'est l'option Conte qu'ils sont en train d'amener. L'option Conte là, c'est ce qu'ils sont en train d'amener. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train. Doumbouya n'a pas fait coup d'état. C'est Alia qui a fait coup d'état. C'est Alia qui a fait coup d'état. Doumbouya n'a pas fait coup d'état. Votre Doumbouya là, il n'a même pas eu le courage d'aller au palais. C'est Alia qui a fait coup d'état. Alia a fait coup d'état. Alia a fait lui confiance. Sinon, Alia peut. Alia lui-même. Alia lui-même pouvait lire, faire une déclaration. Moi, après toute l'histoire, découvrir pourquoi Alia lui-même n'a pas lu déclaration. Pourquoi Alia Boundimou déclaration, Khara? Pourquoi Alia et Boundimou déclaration, Khara? Les parents de Alia, dites ça à Alia. C'est Alia les Michel Lama. Qui a arrêté Alpha Condé. Où est Michel Lama aujourd'hui? On l'a rendu fou. On le traite de fou. Où est Michel Lama aujourd'hui? Les gens qui ont fait coup d'état. Où sont-ils? Celui qui a trahi les gens qui ont travaillé pour lui, pour le mettre sur le trône. Vous pensez que lui, ça sera dur pour lui de trahir tout un peu? Hein? Est-ce que vous pensez que ça sera dur de trahir les autres? Hein? Alia qui a fait coup d'état. Alia a arrêté Alpha Condé.
de 2h du matin à 4h du matin, ils sont dans le palais. Ils se sont sacrifiés. Hein? Michel Lama. Le petit s'est sacrifié. Hein? Avec tous les autres. Les Rangers, les commandos chinois et autres. Hein? Maintenant, lui, il vient, il les met en prison. Il les fout en prison. Pourquoi? Quand ils ont volé de l'argent. Quel argent? Tu mets le vrai président en prison. Toi, tu prends le pouvoir. Hein? Hein? Tu prends le pouvoir. Donc, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Ensemble, main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Ensemble. Je vais appeler quelqu'un ici, là. Ensemble. Main dans la main. Main dans la main. Main dans la main. Pour faire partie. Pour faire partie. Ce groupe. Ce clan de bandits. Ce clan de bandits. Quoi faire de Air Guinée, quoi faire de Satati, quoi faire de Nanana. C'est mon grand Mandia Sidibé qui est en train de faire les panneaux aujourd'hui. Adounia. 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 Mon grand Mandia Sidibé qui fait plate. C'est-à-dire qui fait affiche, qui écrit sur affiche. Le CNT installé. Colonel Doumbouya, homme de parole. Adounia. Adounia. Donc, ce qu'on est en train de comprendre, beaucoup ont fait le combat là. Combat contre Alpha Condé pour espérer avoir les postes dans la transition. Beaucoup ont fait combat. Mettez le cœur, partagez le live. Mettez le cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Beaucoup ont fait le combat contre Alpha Condé pour espérer avoir le poste dans la transition qui va venir. Si vous remarquez bien, beaucoup d'influenceurs qui étaient à l'extérieur, quand Doumbouya est venu, ils ont tous pris avion pour rentrer. Ils ont tous pris avion pour rentrer. Tous pris avion pour rentrer. Quand Doumbouya est venu. Certains même sont actuellement à Conakry en train de chercher les postes. Maintenant, le combat qu'ils ont fait contre Alpha Condé, c'était pas pour le peuple. C'était pour leur propre intérêt. Parce que si eux, ils ont des postes aujourd'hui, ils ont des postes aujourd'hui, ils s'en foutent du peuple. Ils s'en foutent du peuple. Sinon, un Mandia Sidibé doit être un bon conseiller pour Doumbouya. Parce qu'il a travaillé avec Alpha Condé et là, ça a échoué. Affaire de Mandela, les Mandenko là, ils sont là dans le live. Ils vont jamais se laisser pour les autres. Il va pas laisser son parent pour les autres. Jamais de la vie, ils vont jamais se laisser. Jamais se laisser. Jamais se laisser. Hein? Maintenant, on est là assis. Les gens qui ont lutté contre Alpha. Alpha est parti. Il y a transition. Tout le monde veut les postes. Vous n'avez pas vu FNDC. Si vous voyez FNDC divisé aujourd'hui. Si vous voyez FNDC divisé. C'est à cause de ça. Parce que parmi eux, certains espéraient avoir des postes. Parmi eux, certains espéraient avoir des postes. Oui, certains espéraient avoir des postes. Parmi eux, si vous voyez FNDC divisé. C'est ça. Si vous voyez le FNDC a dit est divisé là maintenant, c'est parce que certains sont partis rencontrer le CNRD sans parler avec le peuple, sans parler avec les autres antennes. C'est là-bas qu'il y a eu l'erreur. Là-bas, il y a eu l'erreur. Si le CNRD vous appelle, on veut vous rencontrer. Le CNRD, le FNDC a des antennes partout. Les Guinéens font confiance, ont confiance au FNDC. Tellement. C'est nos frères, c'est mes frères. Mais ils ont fait l'erreur. Quand tes frères font l'erreur, il faut leur dire.
Il ne devait pas aller au palais sans informer l'opinion nationale et internationale. La rencontre ne devait pas être à huis clos. C'est ce qui a été l'erreur. La rencontre ne devait pas être à huis clos. Le gars, Sidiba, là, l'actuel, comment il s'appelle? L'actuel chef d'état-major général des armées. Lui, il est plus méchant que Doumbouya. Lui, là, il est plus méchant que Doumbouya, il est plus méchant qu'Amara. Sidiba, là, Koulibaly, là. Lui, là, le gars, il est plus méchant que Doumbouya. Plus méchant que Doumbouya. Un vrai machine de guerre pour l'Empire Mandingue. Un vrai machine de guerre pour l'Empire Mandingue. L'actuel chef d'état-major général des armées. Vous pensez qu'on lui a nommé là-bas comme ça par hasard? Hein? Vous pensez qu'on l'a nommé là-bas par hasard? C'est sur instruction d'Idi Amin. Lui, il a été nommé là-bas. Lui, il a été nommé là-bas. Maintenant, ce que je dis et ce que je suis en train de redire, il faut qu'on comprenne que le combat là maintenant, c'est pour tous les Guinéens. Tous les Guinéens, les vrais Malékés sont dedans, les Peuls sont dedans, les Soussous sont dedans, les Forestiers sont dedans, tout le monde est dedans. Parce qu'il faut que nous aussi, on dit Alhamdoulilah, il faut que nous aussi, qu'on ait quelque chose dans notre pays. Pour aller de l'avant, c'est ce qu'il nous faut maintenant là. Il est parti à la case. Les ethnos sont partis l'acclamer. Parce qu'on dit c'est un malinqué. Quand on va dire ici, 5 ans de transition, regardez, le gars il dit que je suis en train de me fatiguer. Quand on va dire 5 ans de transition, hein? Quand on va dire 5 ans de transition, les ethnos vont acclamer. Ils vont sortir danser. Hein? J'appelle quelqu'un là. Il faut saluer les gens. Oh. Bonsoir à tout le monde, c'est le général 5 étoiles. Mm-hmm. Voilà. Donc, comme on vous l'a dit, moi, ma vision et celle des autres, c'est différent. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai comme ennemi Doumbouya, là il m'a dit. Mm-hmm. Et aujourd'hui, si hier UFDG l'ont applaudi, ils sont dessus. Mm-hmm. Je crois qu'aujourd'hui, on a l'ennemi commun. Mm-hmm. Voilà. Donc, le gars ne va pas s'éterniser devant nous. Mm-hmm. Il doit dégager. Mm-hmm. Moi, c'est le plus important. Mm-hmm. Et aujourd'hui, l'UFDG n'est pas mon adversaire. C'est pendant les élections que mm-hmm. l'UFDG sera mon adversaire. Donc, mm-hmm. mon adversaire. Donc, demain, je vais passer et on pourra faire un grand direct. Je salue tout le monde. D'accord. Merci. Vous allez comprendre que les vrais fils de la Guinée, là, vont s'unir. L'Empire Mandingue, là, ça va échouer. L'Empire Mandingue, là, ça va échouer. L'Empire Mandingue, là, ça va échouer. Ça va échouer. On s'est consulté les influenceurs, les blogueurs konyankais ont compris. Ils ne vont plus vous aider. Les blogueurs konyankais, ils ne vont plus vous aider. Ils ne vont plus vous aider. On va faire échouer l'Empire. L'Empire Mandingue, là, ça va échouer. Vous avez reconnu la voix, non? Vous avez reconnu la voix, non? On se clash, non? On se dit tout sur les réseaux, non? Mais on a dit dans Guinée d'abord, on va la Guinée d'abord. La Guinée d'abord. Doumbouya ne va pas manicaniser notre pays. On est assis, voir ça. Jamais de la vie. Amoura Bama. Amoura Amfé.